Cette chronique équipement est une présentation de Golftown. Golftown, tout pour le golf. Toujours dans la section des fers droits cette semaine, Pierre, on continue notre tour d'horizon sur les nouveautés, mais cette fois, par rapport aux têtes surdimensionnées. L'ajustabilité et le contrepoids restent toujours les aspects novateurs dans cette catégorie, et ce, peu importe la grosseur de tête du fer droit. Par exemple, Shaping. Le modèle Catch offre la possibilité de choisir parmi deux plaques en aluminium installées dans la semelle de la tête, une différence de plus de 30 grammes qui permet de personnaliser votre achat. Excellent. Toujours dans l'ajustabilité, la nouvelle technologie du contrepoids chez Nike, que l'on a parlé la semaine dernière, est aussi offerte pour des modèles surdimensionnés. Autre nouveauté, Pierre, cette fois chez Titleist avec les nouveaux Scotty Cameron X5 et X5R. Oui. Si certains trouvaient que le modèle Futura X s'éloignait du look classique de Scotty Cameron, les modèles X5 et X5R offrent vraiment une belle combinaison look et indulgence. On a aussi mis une plaque en aluminium, ce qui a permis d'épaissir la face et ainsi produire un son sourd et commun chez les fers droits Scotty Cameron. Chez TaylorMade, maintenant, on propose plusieurs modèles surdimensionnés, dont le plus populaire, évidemment, le fer droit Ghost Spider SI. Oui, au cours des dernières années, la série Ghost a été améliorée. Cette fois, on propose un modèle plus simple. Le noir est plus présent et il est extrêmement stable grâce en partie à une poignée qui pèse 125 grammes. Du côté d'Odyssey, on a toujours eu l'embarras du choix en termes de modèle, tant au niveau de la série Versa, Metal X, White Hot et la toute dernière, Odyssey Works. Oui, on y retrouve le fameux modèle Two Ball où son look a été revampé. Et technologiquement, la version 2015 est encore plus stable que ses prédécesseurs. Une fois que vous avez déniché le modèle qui vous plaît, c'est important de s'informer à savoir si vous avez la bonne longueur de tige, la bonne grosseur de poignée, avec ou sans contrepoids. Ce sont des questions qui valent la peine d'être posées. On se voit la semaine prochaine, Pierre? Bien sûr, et on fait le tour de toutes les nouvelles balles. Soyez-y!